Chers compatriotes, en ce jour placé sous le signe de la Renaissance nationale, je viens de vous présenter solennellement le gouvernement du national de transition. Mes pensées et prières vont vers les victimes des tragiques événements du 28 septembre 2009 et aussi des événements de janvier et février 2007. Subalterne pour inciter les gens à venir à vous, vous n'œuvrez pas pour la démocratie. La démocratie s'exerce par le libre débat des citoyens et par le libre choix des citoyens de leurs dirigeants. Tout ce qui se passe, c'est pour entraver la capacité des Guinéens d'aller librement voter et de rentrer librement chez eux. L'état d'urgence, c'est pour garantir l'ordre public. Il ne faut pas que le remède soit pire que le mal. Vous comprenez? Même ceux qui recourent à ce terme répression massive, soit ils manquent de vocabulaire pour apprécier les choses à leur juste dimension, soit qu'il faut douter de leur équilibre intellectuel. C'est pourquoi j'en appelle au sens élevé du patriotisme de chacun et de tous pour que la Guinée retrouve le chemin de la stabilité, de la démocratie et du développement. Je vous remercie.